Paul. Il a donné son accord pour le meurtre d'un chrétien et a gardé les vêtements de ceux qui l'ont lapidé. Il était très zélé défenseur de la loi juive et disait ne pouvoir accepter qu'un homme se dise fils de Dieu. Il fut arrêté sur le chemin de Damas par une lueur. Et une voix lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Ayant enfin compris le mystère du salut de Dieu, il l'annonça avec un tout aussi grand zèle. Il a affronté sans démissionner de grands dangers, reçut plusieurs fois des coups et fut lapidé. Fit maintes fois naufrage, eut faim et soif, et fut de nombreuses fois emprisonné et en péril. Il a été par la grâce de Dieu l'initiateur de plusieurs églises, a écrit pour les réconforter plusieurs lettres, a beaucoup voyagé, propagé l'évangile de paix, et vers la fin a dit, j'ai combattu le bon combat. Comme lui, faisons le bon choix. Peu importe la durée et la profondeur d'ignorance, Jésus nous appelle encore aujourd'hui. Donnons-lui nos cœurs et nos vies. Amen. Seul